Bonjour, frère Maxime, comment nous sommes? C'est GFL Cuisine Créole, Jean Fedonendi, votre chef à la maison qui rentre la caille. Aujourd'hui, je vais préparer un menu de 5 services pour nous. Ça n'a commencé avant, nous avons commencé avec un chic taille d'aranso. Mais aranso, qui est trempé là, qui est salé en pile, il est trempé pendant une journée. Qu'on a moins déposé dans de l'eau, ça parce que c'est de l'eau fraîche et tout, je vais pas le limer. Je vais le faire dessaler. Tout doucement, même bien pour avancer là, qu'on a mal fait si l'agneau de poivron. Même venir avec garniture qui va le faire chic taille d'aran. Il y a trois petits garnitures ça là pour chic taille là. Même venir avec aran là. Yon chic taille c'est comme une salade. Mais si garniture me fait à moi venir avec la mettez-li. Moi mettez petit émincé d'oignon de fer. Oignon vert moi. Je vais assaisonner les. Je vais mettre le cajun, je vais mettre l'huile d'olive, je vais mettre le poivre. Ça, c'est un petit piment bouc. Retirer tout le grenou et puis je vais mettre là-dedans. Je vais mettre un petit jus de citron là-dedans. Je vais mettre un petit moutarde. Je vais brasser les. Yes. Une fois que je fais un petit chèque là, comme ça, qu'on a remarqué que je vais mettre le sel, qu'on a mal goûté pour mon bail. C'est vraiment bon, ok? Chic taille d'aran, je ne pas mettre celle-là dedans, c'est parfait, celle-là bon. Qu'on a là, je vais quitter là. Après ça, je vais faire présentation, je vais faire rentrer avec. Qu'on a là, je vais l'assaisonner. Je vais mettre sel. Je vais mettre poivre. Juste sel, poivre, je vais mettre là. Je vais quitter comme ça là. Qu'on a, je vais mettre le saisir et puis je vais mettre là bas. Pour le plat principal là, nous allons connaître une viande agneau, je vais prendre. Que nous te dit, nous faisons avec un viande cabrito. Pour rentrer, nous te simplement qu'on est chic taille. Nous venons avec un petit radis là. Je vais le nettoyer. Ça, c'est pour présentation rentrer à l'île. On me fait couler, je juste mettre mangue. Mangue, ça va sucrer. Mettez un petit sucre là-dedans. Et puis, je vais mettre de l'eau en rien même. Et puis, je vais le faire couler. C'est fini là. Tu es prêt? Garde. Je vais mettre de l'eau, je vais mettre en rien là-dedans. Juste besoin bon petit coulis, bien épais. Ouais, c'est parfait ça. Hein? Ça, c'est pour m'accompagner chic taille là. Même fini avec ma zombelle ça là, c'est lui même moi pour le présenter par mon yo là. Moi pour le caler lui, et puis après ça, nous pour le voir qui genre, moi pour le faire, c'est lui même qui pour le censé plat pour nous. Même fini avec ma zombelle là, moi mettez le pour le cuire grossièrement, gâte. Mettez le dans de l'eau entière pour le bien cuire. On y a là, même fini avec poil là, et puis gâte, avec un petit oignon, on a faire un oignon caramélisé. Moi, mettez yon ti l'huile dans le poil là et comme ça nous allons partir oignon caramélisé. Une fois l'huile moins bien chaud, on mettez l'oignon là-dedans. Moi mettez sel là-dedans et moi mettez poivre. Même poil qui fin fait oignon caramélisé, qu'on a mettez l'huile là-dedans pour saisir l'oignon. Une fois que poil là bien chaud, on dépose viande là-dedans. Une fois que les colorés comme ça, on sait le côté, qu'on a là, moi, pour mettre le boucané en bas froid. Là, après ma queue, moi, mettez une petite carotte bouillie, c'est pour le plat principal là. Mettez de l'eau salée, même tout, moi, mettez là, moi, pour le cuire un petit asperge là. Quand on a, nous, pour le présenter, rentrer à qui c'est un chic taille d'aran. Nous allons faire un petit bail de quenelle. Vous venez avec un petit crouton, vous allez mettre sous l'eau. Comme ça. Ok, voilà. Je vais venir avec un petit coulis. Et voilà, c'est beau? Chaud, je vais mettre un frit là d'abord. Mettre un petit beurre, c'est tout. Je vais cuire un bagaille les moules. Mais ça, c'est un petit échalote. Je vais mettre un petit échalote grise, suée. Même suée là. Une fois que l'échalote est bien suée, nous prenons un produit ça nous-mêmes qui ici, c'est les moules. Il n'est pas difficile à cuire. Nous allons le fermer. Si nous allons acheter l'épicerie, nous jouons ouvert, c'est qu'il n'est pas bon. Une fois que chaud bien sué, moi vide la dedans, moi mettre thym la dedans, puis moi mettre du vin, un petit du vin blanc et puis moi couvrir. Couvrir là normalement une fois qu'elle monte à ébullition, 7 minutes c'est prêt. C'est prêt pour faire épicerie entrer la dedans, c'est déjà prêt. Moi mettre un petit d'huile là. Qu'on a là l'huile moi fine bien chaud, qu'on a là moi saison petit crevette. Là nous pour le monter assiette rentrer chaud c'est un moule lié déposer pour mon nom
conserver chaudière d'abord côté de là pour qu'il sache parce que moi pas besoin de jus qu'on a pas déposé crevette là. Voilà, on y a là, là dans l'âme pour petit jus, parce que jus ça va bien, c'était du vin que je déposais sous lui. Voilà. C'est bon, hein? À vous, hein? On va mettre la principale dans l'assiette ça aujourd'hui. C'est caramel de bon là, c'est vraiment bon là. Ça là, son mazon belle, ça y est. Le petit aspect ici là, moi je vais venir avec ça, déposer ça là. Et voilà. Maintenant, un petit peu de maïs, moi t'ai grillé ensemble avec agneau. C'est lui même moi le mettre beaucoup à cette là. Quand là moi venir avec agneau là, juste déposer ça là. Et voilà. Nous mettre essayer ça là quand nous pour nous emballer. Regarde-moi ça. C'est beau, simple, facile à faire hein. C'est pas compliqué là. C'était JFL Cuisine Créole. J'en fais dans lundi, votre chef à la maison qui est là avec nous. Merci. Au revoir.